نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فجزاكم الله وجزا الله الإخوة المقيمين بهذا المسجد ولا سيما إمام المسجد حفظه الله الشيخ وباقي المسؤولين على استضافتهم. فاليوم إن شاء الله الكلمة ستكون باللغة الفرنسية للشباب كما طلب مني. فجزاكم الله على حسن استماعكم. Donc je disais que on remercie les frères de la mosquée, spécialement donc l'imam de la mosquée Hafidhahullah, de m'avoir donné la possibilité de m'asseoir ici en face de vous, ainsi que les responsables de la mosquée. Et je vous remercie donc pour votre écoute, votre présence et le rappel, comme on me l'a demandé, sera inshallah pour nos jeunes en général, donc en français. Et on m'a demandé de partir d'après le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle et nous dit donc وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Ça c'est normalement le titre de la conférence. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Ce verset, comme vous le savez, il est dans la sourate Ali Imran. Et voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les jeunes, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, de mettre en pratique quelque chose, on n'arrête pas de dire à nos jeunes que cette demande, cette demande, si elle n'est pas mise en pratique, s'il manque quelque chose, il est impossible que cette communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interpellée, qui sont les musulmans, c'est pour cela que lorsqu'il aura dit wa'tasimu, il y a un pluriel là, on parle d'un groupe, et c'est pour ça qu'il a dit jami'an. Nos mashaykh hafidhahumullah, ils nous disent que lorsque l'on donne l'exégèse du Coran, on nous dit chaque mot a son importance. Quand vous entrez dans le domaine du tafsir, de l'exégèse, chaque mot a son importance. Et ici, lorsque l'on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il nous demande de tous être unis et de tous se rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, lorsqu'on vous dit tous « jami'an », ça veut dire que si jamais il y en a un qui ne met pas cela en pratique ou qui préfère, entre guillemets, fonctionner d'une autre manière, wallahi, on ne pourra pas avoir d'union dans notre communauté. C'est impossible. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah irda alikoum, il est parti de la Mecque, hein, on est dans la période de l'Hijra, sahoulala, on est dans le mois de Muharram. Deux choses très très importantes. D'abord le siyam, le jeûne du mois de Muharram, le 9 et le 10, ou bien le 10 et le 11. Et comme a dit Cheikh Ibn Baz rahimullah dans sa fatwa, on peut aussi faire le 9, 10, 11, les trois. Plus l'importance de jeûner durant tout ce mois. Ce mois, il est très très important. Et deuxième chose, il y a eu la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On parle de l'égir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti de la Mecque vers Médine, la première chose qu'il a fait avant de partir, et spécialement à l'âge de 40 ans, lorsqu'il a reçu la révélation, il a d'abord fait en sorte que les premiers musulmans qui étaient autour de lui soient unis. C'est pour ça qu'il les a éduqués pendant plusieurs années. Combien d'années il est resté à la Mecque? Dites-moi. 13. Et à Médine? 10. 23 ans de da'wah. Lakin nos savants nous disent, tout subhanallah, pour avoir l'État islamique qu'il y a eu à Médine, et pour avoir ces fameux musulmans qu'on a eu à Médine, il a fallu combien d'années à la Mecque? Plus de 13 ans d'éducation. Subhanallah. 13 ans d'éducation. Est-ce que c'est simple? Là. On nous dit même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous le savez très bien, quand les premiers musulmans étaient persécutés, il y a eu déjà des premières hijra lorsqu'ils sont partis de l'Habasha, ce qu'on appelle entre guillemets l'Éthiopie actuelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait voulu que tout le monde parte. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui en a donné l'ordre? Là. Est-ce que les autres musulmans ont pu partir? Tous sont partis? Non. Seul un petit groupe est parti. Ils ont enduré, ya Shabab, pendant plus de 13 ans. Il y a eu de la torture. Il y a eu des tueries. On a cassé des familles.
lorsque Umm Salama radiallahu anha et son mari, lorsqu'ils ont voulu faire la hijra, ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que Umm Salama radiallahu anha a été bloquée, où ça ? À la Mecque. Elle est restée bloquée. Son mari, qu'est-ce qu'on fait ? On vient exprès, on lui enlève l'enfant, comme une genre de prise d'otage. Mais est-ce que ces gens, à ce moment-là, est-ce qu'ils ont lâché la religion ? Est-ce qu'ils ont commencé à dire aux autres musulmans, c'est à cause de vous que nous subissons ceci ou cela ? Ou bien on peut aller plus loin, wal'iyadu billah, est-ce qu'ils ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause de ton message que nous maintenant on subit ? Là, ils l'ont écouté, sami'na wa ata'na. Il y avait un ihtiram, il y avait un respect, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Et donc il les a éduqués pendant plus de 13 ans. Et tout cela pour que lorsqu'il arrive à Médine, il y a toute une communauté qui va l'accueillir. Mais de nouveau, ya Shabab, cette communauté, c'est pour ça qu'il faut lire l'histoire, elle est importante pour comprendre des fois qu'est-ce qu'on vit nous aujourd'hui. Cette communauté, les gens de Yathrib, comme on l'appelait avant Médine, est-ce qu'ils ne sont pas venus avant l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour écouter son message, pour être attirés par son message? Et une fois qu'ils l'ont accepté, ils sont revenus et lui ont dit, ya Rasulallah, si tu veux vivre en paix, et si tu veux transmettre ton message, marhaban, viens chez nous à Médine. Et une fois qu'il avait bien l'éduqué, ce petit groupe-là qui était avec lui, à la Mecque, il arrive, mashallah, et il va trouver un terreau fertile, il va trouver une ville de Médine qui va l'accueillir sans discuter. Et là, il va rester, mashallah, les 10 dernières années à transmettre le message jusqu'à sa mort. Mais une des choses qu'il aura appris, c'est l'union. À un point où cette union a été rattachée à la fraternité. C'est pour ça que dans les livres de Sira, on te dit souvent « Akha, sallallahu alayhi wa sallam, bayn al-muhajirin wal-ansar ». Il a fraternisé entre qui ? Al-muhajirin, ceux qui sont venus de la Mecque et ceux qui sont venus de ceux qui étaient à Médine. Il a fraternisé. Et l'histoire, tout le monde la connaît, la plupart d'entre vous. À un point, on est arrivé à un point, où ceux, subhanallah, de Médine, proposer même à ceux de la Mecque, si tu veux, je partage ma terre en deux. Si tu veux, je te donne la moitié de mon habitation. Et hatta, mais ça c'était en ce temps-là, on ne vous demande même pas de le faire aujourd'hui. Hatta ceux qui étaient mariés et qui avaient plusieurs épouses, ils étaient prêts à divorcer. C'est une autre conception, hein, ça. On ne peut pas imaginer un peu le système aujourd'hui. Mais il était prêt à divorcer pour que son frère musulman qui vient de la Mecque puisse se marier et avoir ou habiter et avoir même des fois un morceau de terre. Mais à un point, subhanallah, où on ne peut pas imaginer nous aujourd'hui, quelqu'un qui va, entre guillemets, se séparer de quelqu'un, de sa famille, c'est-à-dire son épouse, et divorcer, et elle accepte. C'est pour ça qu'aujourd'hui on ne comprend pas le concept, parce que c'est plus de 1400 ans, yashabab. Elle accepte. Mais regardez en face, tu as par exemple Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il dit lui dans sa phrase très très connue lorsqu'il a dit Dalluni ala souq al-Madina. Quand on est venu chez lui, le prophète lui a montré quelqu'un, donc il savait chez qui il pouvait aller. Même comme ça, il lui a dit non. Il lui a dit Wallahi jazakallah, garde tes biens. Tu peux garder tes biens. Mais montre-moi où est le marché de Médine. Et comme on le sait, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu est devenu un des plus grands et riches commerçants parmi les compagnons. Fait chou, subhanallah, cette éducation-là. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués pour qu'ils l'écoutent. Lorsqu'on a dit sam'u wa ta'a, d'abord, donc écouter, obéir, d'abord vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ati'u Allah wa rasul, on adore, on écoute, on obéit Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on écoute, on met en pratique. Hatta c'est une preuve d'amour. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si jamais on dit que l'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, obligatoirement il faut l'ittiba, on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aimer. Donc il leur a appris à l'écouter. C'est une qudwa, c'est un exemple. Il leur a appris cela et les fruits, les fruits de ce suivi, va faire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir, Abu Bakr radiallahu anhu va être choisi, va être calife. Est-ce qu'ils vont l'écouter ou pas ? Les compagnons d'Allah alayhim vont l'écouter. Et Abu Bakr radiallahu anhu, un de ses tawadu', il avait une de ses humilités, une de ses modesties incroyables. Et regardez à quel point l'écoute, elle est importante.
pour que les musulmans restent unis, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, vous rappelez, il avait préparé la fameuse petite armée qui devait sortir avec Usama radiallahu anhu. C'est un jeune compagnon. On dit dans les histoires qu'il ne dépasse pas dans les biographies à peu près 18 ans. Et derrière lui, mashallah, parmi les grands sahaba, plus âgés que lui. Et il est, entre guillemets, le général de l'armée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est tombé malade, l'armée de Usama radiallahu anhu, elle s'est placée un petit peu à l'extérieur de la ville. Elle attendait les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Abu Bakr radiallahu anhu, il reprend la relève. Chouf al-tarbiya, chouf l'éducation à Shabab. Pourquoi c'est important? Pourquoi l'union elle est importante? Abu Bakr radiallahu anhu, il dit voilà, il faut que l'armée de Usama aille faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé. Et on fait comprendre à Abu Bakr radiallahu anhu, on lui dit, ya Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il se peut que maintenant la situation elle change, on n'est pas obligé peut-être de l'envoyer. Kada, il dit abadan, wallahi je ne peux pas, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé, ça doit être exécuté, ils doivent sortir. Et qu'est-ce qu'il fait radiallahu anhu? Il sort, il vient pour parler à Usama radiallahu anhu qui est sur son cheval. Usama radiallahu anhu, min bab al-haya, subhanallah, al-waqar, il y a du respect, il y a de la pudeur. C'est qui? C'est Abu Bakr, le calife. Il veut descendre de son cheval. Qu'est-ce qu'il fait Abu Bakr radiallahu anhu? Est-ce qu'il le laisse? Il ne le laisse pas. Il dit non, tu es le chef maintenant de l'armée là. Reste sur ton cheval. Et il tient, Trima comme on dit là, avec la bride, il la tient et il tire le cheval de Usama et il lui donne toutes les recommandations. Et il lui explique comment est-ce que ça doit se passer. Et subhanallah, la même chose, Abu Bakr radiallahu anhu meurt, et puis Omar radiallahu anhu, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vont commencer à arriver certaines personnes qui n'acceptent pas justement cette chose qui est sacrée chez nous, qui est très très importante, l'union. Et comme vous le savez, on va avoir le premier meurtre, premier calife qui va être tué, qui c'est? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Lakin même comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé, subhanallah, les savants, al-ulama. Quand des fois certains jeunes nous disent que soi-disant, comment tu veux qu'on ait l'union, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à ceci, on n'arrive pas à cela, wallahi le problème il est chez nous. Parce qu'on ne veut pas étudier, on ne veut pas apprendre, on ne veut pas structurer notre apprentissage. Chez nous par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique, on nous dit que al-ulama warathatu al-anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes. Et vous allez comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, où est-ce que je vais en venir. Ça veut dire qu'on suit normalement nos savants. Après, quelqu'un va nous dire, oui, mais ah, on n'est pas dans les pays musulmans, on est dans un pays non musulman, et nos savants, on a nos imams. Où est passé le respect de nos imams? On sait très bien, Yeshabab, on sait très bien qu'un des métiers, entre guillemets, les plus ingrats aujourd'hui, ça veut dire les plus simples, là, dans la tête de certaines personnes, c'est quel métier? Métier d'imam. Si quelqu'un lui dit, il fait quoi avec le qu'il fait imam, il fqi. Est-ce que les gens ils disent Allahu Akbar, Masha Allah, Tabarakallah, il est imam? Est-ce que? Non. Est-ce qu'on a des familles qui se forcent obligatoirement, ils disent Wallah, je dois absolument faire sortir sur toute notre famille, ne fût-ce qu'un imam? Est-ce que c'est un problème qu'on a dans nos familles aujourd'hui? Saraha, est-ce qu'on a ce problème-là? Alors qu'on sait qu'on manque d'imams, s'il n'y a pas nos imams hafidhahumullah qui connaissent le Coran par cœur et qui viennent faire les prières de Tarawih. Quand j'ai travaillé pendant 14 ans au centre islamique, j'arrête pas de le dire à nos jeunes, wallahi des mosquées ne font pas la prière de Tarawih parce qu'ils n'ont pas d'imam pour faire la prière de Tarawih. C'est des fois un frère ou un père de famille qui vient, il prie avec quelques sourates, mais pour Ramadan, wallahi, il ferme la mosquée, spécialement dans des contrées, hein, vers tout ce qui est les Ardennes et autres, et ils disent, on va quelques kilomètres plus loin à une autre mosquée. On a tout le temps chez nous une relève. La désunion, c'est nous qui la voulons. Et je dis des fois à nos jeunes, je leur dis à Jia Shabab, subhanallah, je prends rien que ce premier chapitre. D'abord, ce qu'on appelle les personnes qu'on est censé écouter. Je leur dis à Jia, dans notre religion, qui prend la responsabilité lorsqu'il parle devant Allah subhanahu wa ta'ala? Soit un père de famille, ou une mère, yak, dans ta famille. Soit si on va parler du domaine entre guillemets religieux, responsabilité, nos savants. Et dans nos savants, il y a parmi les plus réputés dans le domaine des fatawas et autres. Et puis on a l'imam de la mosquée qui normalement
normalement, dans notre religion, mashallah, il a un beau métier. Il gère la communauté qui prie derrière lui. C'est vrai ou pas, les jeunes? Est-ce que rien que là, est-ce qu'on a un respect? Si jamais, par exemple, l'imam un jour devait donner un conseil pour les habitants de la région ici, que ce soit de Charleroi ou bien du quartier même, est-ce que, avec sincérité, les 100% des musulmans qui prient derrière lui, est-ce qu'ils vont l'écouter à 100%? Est-ce que si on vient chez l'imam, par exemple, avec un problème de couple, je ne prends rien que ça, on va après rentrer dans les détails, si on vient rien qu'avec un problème de couple, et que l'imam, hafidhahullah, il va dire, tchouf, wallah rda'alik, d'abord taqillah, safi, chère sœur, toi aussi, taqillah, waqfouad, machakil, arrêtez ces problèmes, et rentrez chez vous à la maison, faites deux rak'at, lisez un peu de Coran, écoutez un dars, ou radda, inshallah, demain, vous reprenez votre vie. Est-ce qu'on va l'écouter? Est-ce qu'on va l'écouter? Saraha, est-ce qu'on va l'écouter? Là. Wallah, Shabab, j'ai pas encore été loin. Je parle à peine des bases. Très simple. Quand on choisit un grand titre, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le demande, il y a les jeunes. Bah, si nous, on ne s'attache pas à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et que des fois, on veut tout laisser sur le dos des autres, comment est-ce qu'on va nous être éduqués pour comprendre certaines situations quand nous, on est touché par un problème, que ce soit dans notre vie de couple, que ce soit entre frères, entre sœurs, dans les familles? En venant tout à l'heure, un frère, il me dit, voilà, il y a un mariage à cause d'un bête problème dans la famille. Le garçon, il ne répond pas à l'invitation de sa mère pour le mariage du fils. Allah, mais il vient. On a ça ou pas aujourd'hui? On a ça. Est-ce qu'on n'a pas, par exemple, un garçon, hein, prenez un simple exemple, ça arrive souvent, plutôt, en général, ça arrive plus côté fille. Par exemple, la fille, elle va venir, elle va dire à son père, ou à sa mère d'abord, elle va lui dire, voilà, il y a un garçon, il veut se marier avec moi. Est-ce que tu peux parler avec mon père? Le père, il va venir, par exemple, à la maison, son épouse, mesquine, elle parle avec lui, il dit, voilà, Abentek, ta fille, il y a quelqu'un qui veut se marier avec elle, Kada, c'est le fils d'un tel. Et le père, il va dire non, par exemple. Est-ce que tu as déjà vu un jeune qui va venir, ou bien une fille qui va venir, qui va embrasser la tête du père, et qui va dire à Al-Walid, Jazakallah pour ta décision, ou Inch'Allah, un autre jour on va en parler. Sa'atulillah, comme on dit, un autre jour. Ou bien il y en a qui ne parlent plus à leurs parents pendant des semaines. Dites, mon travail au centre islamique pendant 14 ans, Arba'at Ashar Sana, fil Merkez. Mon travail c'était quoi? À part ceux qui ne savaient pas ce que je faisais au centre, levez la main. Parce qu'il y en a qui savent. Mais les autres, qui ne sait pas? D'après toi, qu'est-ce que je faisais au centre islamique? Connaissez le Merkez Islami Marouf à Bruxelles? Qu'est-ce que je faisais? Je travaillais du lundi au samedi, de 9h à 17h. Et les dernières années, de 9h à 16h. Pas d'heure de table, hein? Pas de sa'ad l'urda, il n'y avait pas. De 9 à 16. C'était quoi mon métier d'après toi? Allô? Je m'occupais des divorces. Mashakil Zawjiya, 14 ans. Taïb, je m'occupais de qui? Des chrétiens, des laïcs, des orthodoxes, de qui? C'est le mille. Voilà, tafarraqo. Je leur disais des fois bêtement, akhit taqillah, Allah rda'alik, arskut, triqa, tais-toi. Fais non, pas me parler comme ça. Pas me parler. Je vais la tuer. Ou là, des fois, le père, il est là, il va lui donner. Non. At-tarbiya, ya shabab, l'éducation. Wallah, ici, dans notre tête, ça ne fonctionne pas comme il faut. Il n'y a pas une éducation comme il se doit. On peut parler de ces sujets pendant des années et on sera toujours désunis. Fonctionnera pas. Même moi qui ai né ici en Europe, nos mashayikh, jazahumullah, et même quand j'avais des formations à l'extérieur, Saoudia ou là, à gauche, à droite, à chaque fois on nous disait, ahtarmul mashayikh dialkum. Même quand ils nous disaient, respectez vos savants, respectez vos imams. Pourquoi? Des fois on leur disait, j'étais encore jeune, j'étais chaud. Ah, maintenant j'ai 45 ans, on a déjà un enfant marié, l'aqali change d'année en année, mais beaucoup plus calme. On a aussi été des chauds quand on était jeune. Et on leur disait des fois, ouais, mais certains de nos imams, des fois ils ne connaissent pas la religion, ou bien ils ne savent pas répondre, ou bien, qu'est-ce qu'ils nous disaient, cher? Wallah, jamais. On a même suivi des cours en ce temps-là. Et Hadara des Muhadara de Cheikh Al-Uthaymi Rahimallah, il nous disait, on dit, même Cheikh Al-Mufti Al-An, Cheikh Al-Sheikh, qui est aveugle. Vous le voyez à la télé seulement, fil Hajj, quand il fait sa khutba dans la mosquée de Namira, sahoulala. Wallah, j'étais chez lui pour une rencontre spéciale de fatawa quand je travaillais au centre. Pourquoi?
parce que j'avais des jeunes avec moi qui étaient venus pour le pèlerinage, pour le hajj. Et il y avait avec eux des convertis, et il y avait donc des reconvertis et des musulmans de souche, marocains, c'était la nationalité qui avait le plus. Et dans la discussion à l'hôtel, j'ai à peine dit, un de nos imams, il m'a dit, quel imam il y a en Belgique? Il n'y a rien, frère. Et tabarakallah, c'est toi qui as la liste maintenant. C'est toi qui sais s'il y a ou il n'y a pas. Ali, je te dis, il n'y a rien. Je dis, mashallah, je ne te connais pas. Tu as étudié combien? 30 ans, 40 ans? Parce que quel âge tu as? Il m'a dit, 22. Tabarakallah, allez, 22 ans, ça fait l'ilm. Tout est déjà prêt, tout est... Le deuxième, il parle. Le troisième, c'est Allahu Akbar. Vous savez en quelle année ça s'est passé? En 2000. On a été chez le Mufti, à la mosquée qui s'appelle Mosquée Cheikh Bin Baz, rahimahullah, fil Aziziya. On a été chez le Mufti, je dis, Cheikh, tu vois ça? Quand on vient de... Ouais, il ne voit pas Mskina, mais donc il a un avec lui qui lui explique. Il dit, voilà, il y a un groupe avec moi ici, c'est tous des jeunes. Il y en a qui viennent d'entrer dans l'islam, il y en a qui sont nés musulmans. On est tous nés musulmans, même celui qui vient de rentrer dans l'islam, il l'était, un yuladul waladu ala. On est à la naissance, on est tous musulmans. Même le fils de Jean-Jacques, il est musulman. Les parents, comme a dit le prophète, ça a pris lui donner un chemin. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je dis, il vient d'entrer, celui-là. Et je dis, voilà, ils disent que il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de savant, on suit personne, on suit Kada, il faut que les grands aient. On discutait. Subhanallah, la première phrase d'abord, l'ihtiram, le respect de vos imams. Ihtiram la imma. Et puis il leur explique, il dit voilà, Allah subhanahu wa ta'ala fait que vous êtes dans des pays qui ne sont pas musulmans, donc c'est compliqué, kada. Donc alhamdoulilah, regardez, il leur donne même l'explication qui chez nous en religion elle est très connue, qui dit que c'est l'imam qui prend sur son dos si jamais il fait une erreur. Sah, oulala, amma toi alhamdoulilah, tu prends la réponse, et après, si jamais tu es quelqu'un qui étudie petit à petit, qui sait téléphoner, qui sait se renseigner, qui sait voyager pour apprendre, alhamdoulilah, tu corriges. Ils écoutent tous pendant une heure et je traduis chaque fois. Puis je dis aux jeunes, vous avez des questions? Ils me font, non. On sort. Wallahi ikhwan smur. On sort. On rentre dans l'hôtel. Je dis, les jeunes, qu'est-ce que vous pensez de ce que le cheikh il a dit? Wallahi il a dit la ilaha illahu. Un d'entre eux, il m'a dit, ki kharbaq. Haïda wallahi l'adim. Kali ki kharbaq. Je dis, Allahu akbar. J'étais devant un mufti, un cheikh. On fout la nationalité. Mais à la kulli hal, j'étais devant un cheikh. Je dis, tu sors le mot, parce que Tanjawidian, tu kharbaq. Tu dis ça d'un cheikh. Ça veut dire kharbaq, les frères, ça veut dire qu'ils racontent n'importe quoi. Je dis, subhanallah. J'étais censé leur donner des doros chaque jour. Je leur ai dit, les frères, vu votre comportement, ça ne sert à rien que je vous donne, parce que vous avez déjà la science. Je ne peux pas vous donner. Je vais peut-être donner une fois par semaine. Et encore. Et après, je suis resté seul dans un coin à réfléchir. Je me suis dit, Allahu Akbar, que va donner une communauté qui ne respecte quasi personne, spécialement dans le domaine de la religion? Eh bien, à ce moment-là, avec mes années de travail, de da'wa même, cette année, ça fait 25 ans que je fais des doros, je suis venu ici à la mosquée, mais je crois qu'il y a entre 10 et 15 ans, il y a très très longtemps, je ne suis plus revenu ici. Et subhanallah, il y a plein de choses qui, au contraire, n'ont pas changé. Et il y a même des choses qui sont devenues encore plus graves. Et les parents, des fois, certains, ils sont au courant, certains pas. Certains, ils remarquent, mais les jeunes, ils savent. Sont apparus des groupes. Sont même apparus entre les jeunes, les groupes qui font entrer au paradis et les groupes qui font sortir du paradis. Il y a des jeunes qui ont des listes. Ah, tu vas écouter qui aujourd'hui? Flemme, non, c'est un égaré. Tu vois, quelle mosquée est-elle? Non, c'est des égarés. Ils ont tous des listes. Tout est déjà prêt. Taouba, ça n'existe pas. Repentir, non. Non, il est déjà foutu. Pour changer, la abadan. Le salam, non. Et on va voir après avec les traditions. J'en ai choisi seulement deux, trois. Parce que la religion, Allah, elle est simple. C'est qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Cette âme, un nafs. Est-ce que ton âme, elle est prête à se battre et à accepter une certaine éducation? Si elle l'accepte, wallahi, on peut des fois, j'ai bien dit des fois, ressembler plus ou moins au temps des compagnons. Si on accepte, lakin, nos caractères sont durs. Wallahi, at-tab'a diyalna, nos caractères, nos habitudes, on est durs. Et voilà pourquoi aujourd'hui, même des fois, ceux qui veulent entrer dans l'islam et qui entendent que c'est une religion de fraternité, c'est vrai ou pas, Echeb? Religion d'union,
Le 1,5 milliard de musulmans, et on est fiers quand il y a le Hajj, on dit tous partout, on fait de la pub, même à l'école. Je suis enseignant, j'enseigne la religion en secondaire à l'école, et t'entends les élèves, ils disent aux non-musulmans, hey, cette année, pèlerinage, hein, 3,5 millions. On aime bien les chiffres. Ça, oulala. Lakin, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un jour il était assis avec les compagnons, et regardez, Allahu Akbar, il est assis avec eux, mais c'était dans une période où, alhamdoulilah, tout va bien. L'apogée de l'islam, mashallah. Et il leur fait comprendre que va arriver un temps où les communautés, elles vont vous sauter dessus. Comme quand tu prends, subhanallah, par exemple, tu prends des chiens qui n'ont pas mangé depuis longtemps et tu déposes une assiette. Comment ils font? Ils vont éclater l'assiette. Les compagnons, ridwallah alayhim, quand ils ont entendu cela, sont restés étonnés. Et ils ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, awa min qillatina ya rasulallah, est-ce que parce qu'on est peu, on va être peu en ce temps-là? Pourquoi? Parce que ça les étonne au moment où ils leur parlent, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont beaucoup. Alors ils se disent, mashallah, il va arriver un jour, on va subir ça. Alors qu'aujourd'hui, nous, on subit que réussite sur réussite, territoire sur territoire. Comment ça? Mais il leur a dit, lakinakum rutha, karutha, asseil. Il leur a donné l'exemple, subhanallah, de la vague. Tu sais, une vague quand elle vient, ceux qui vont à la mer, là, une vague quand elle vient, il y a plein de mousse. Ça fait toujours peur aux petits. Mais quand la vague, elle repart, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. Donc la mousse, elle, s'éparpille. Et à cause de quoi, ya Rasulallah? Hubb al-dunya wa karahiyat al-maut. Il n'a pas dit katra talab al-ilm. Là, là. Non, non. Il y en a qui croient que maintenant la désunion qu'on vit, c'est parce que soi-disant, mashallah, on a beaucoup de savants parmi nous. Non. On a beaucoup de famille, ça, oui. On a beaucoup de gens qui aiment bien s'autoproclamer, soit cher, soit mufti. Vous savez, le Cheikh Tahar Toujgani Hafidhahullah, il parle souvent de ce qu'on appelle, et nous on reprend ça, ils ont repris ça un peu de nous, parce que nous on fait beaucoup en français, et une fois ils nous avaient entendu dire Cheikh Google. Là je dis sur internet, il y a le moteur de recherche, quand tu cherches quelque chose, tu rentres dans Google, tu mets un mot, tu mets par exemple, j'invente, je dis Tanger, n'importe, hein, tu mets Charleroi, il te sort plein de sites. Et alors il dit, Cheikh lui l'a transformé, il a dit Cheikh Google Ben Yahoo. Parce que Yahoo c'est aussi un autre. Et hier on avait un colloque avec Cheikh Tahar au centre islamique sur la formation des imams et de ceux qui font les prêches du vendredi, et il parlait justement de cela. Où est passé ce respect? Il disait aujourd'hui on apprend la religion par internet vite fait, on s'auto-fatwatise, on se donne des fatwas nous-mêmes. C'est pour ça que ça ouvre des portes où tu commences à rejeter l'autre. Avant les compagnons ridwallah alayhim, ajia shabab, est-ce que vous pensez que les compagnons ridwallah alayhim, il n'y avait pas des disputes entre eux? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y avait des disputes des fois entre eux? Wallah, il y avait. Mais l'ukhuwa, la fraternité était ce qu'on appelle le moteur qu'il y avait entre eux. Et écoutez-moi bien, la fraternité était la cause qui faisait qu'il y avait ces petites disputes-là. Subhanallah. Pas le jahl, pas le karahiya, pas l'ignorance, pas le fait de détester l'autre. La abadan, wallahi. Mais c'était la fraternité qui faisait. Ça veut dire qu'il voulait tellement garder son ami comme frère qu'il avait peur que lorsqu'il entendait de lui une réponse ou une correction dans la religion, il avait peur de le perdre. Il lui dit, est-ce que tu es sûr que tu l'as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et des fois, nous, un jeune d'aujourd'hui, si jamais il lit ce hadith, wallah, il va se dire que c'est une balance, que c'est un shkam. Parce que tu vois le compagnon, il sort et il se fâche et lui dit, je vais aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, sadaq, il a raison. Il ne s'est pas trompé. Et il revient chez lui. Et il l'embrasse et il repart à deux. Allahu Akbar. Ça, c'est la fraternité. Et voyez pourquoi, entre guillemets, il y avait des disputes. C'était pour la religion, pas pour des bêtises. Et même si, subhanallah, comme on raconte une histoire qui est arrivée entre deux compagnons avec Bilal radiallahu anhu, sur la couleur, où quelqu'un pouvait des fois même se tromper, sortir une phrase qu'on ne peut pas sortir. Comme je dis toujours à nos jeunes à l'école, tous les matins quand je les entends, « Hey, Azzi, viens !» Comment ça, Azzi, viens? Moi, je donne religion islamique. Et ils sont dans ma classe, toutes les couleurs. Et ils s'appellent Azzi, ils s'appellent... Non, je dis, viens, frère. Tu as vu sa carte d'identité? C'est écrit Azzi dessus? Puis Mourad me fait, « Oh, monsieur, pas t'énerver, qu'est-ce qui se passe? C'est devenu naturel, wallahi. » Tu me dis, « Monsieur Haddash, pourquoi tu t'énerves ?» Il me dit, « C'est un khal, il est noir. » Je dis, tu vas me l'apprendre, Yak. Je ne reconnais pas les couleurs.
Je dis, dans ta religion, on te demande d'appeler quelqu'un par sa race? Gentiment, ils discutent, on te le demande. Et est-ce que tu t'es renseigné sur ce mot, d'où il vient? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il a aucune connotance? Est-ce qu'il blesse? Ou bien ce mot, peut-être chez vous, il est à l'aise, mais dans leur pays, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais j'oublierai jamais, à chaque fois ça arrive, il y a des jeunes qui me disent, « Voyons, monsieur, comment vous compliquez les choses ?» Il me dit, « Non, non, c'est un copain, monsieur, c'est un copain. » Après, je vais chez lui, je dis la vérité. Je dis, « Allah, je ne te pardonne pas. Il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de 1 sur 10, il n'y a rien. Tu aimes bien qu'on t'appelle comme ça ?» Il me fait, « Oh, tu sais bien, monsieur, non, mais les Marocains, ils appellent comme ça. Hein. » Je suis un aziz, tout. Voilà. Et au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'as la personne qui va oser dire ce mot à l'autre compagnon, parce qu'il est noir de peau. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va l'apprendre. Regardez qu'Ana, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se fâchait, wallah, il se fâchait pour la religion. Jamais pour lui. Jamais pour quelque chose de lui, de privé. Toujours pour la religion. Et il va se fâcher, il ne va pas aimer cela. Il n'aimait pas. C'était une horreur lorsqu'on touchait même la nationalité, la couleur de la personne. Et on a même à ce moment-là le compagnon qui va mettre son visage par terre. Regardez, il veut demander pardon. Il met son visage par terre et il demande au compagnon, il lui dit, écrase-moi, yarhamoukallah. Il lui dit, écrase-moi le visage avec ton pied. Chouf, il veut, rabbi, éduquer avec une nefs là, qui des fois, elle se lâche. Il lui dit, écrase-moi mon visage. Il lui dit, non, je ne veux pas écraser un visage qui s'est prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Là. Et ils se pardonnent et ils repartent ensemble. Regardez le jeu qu'il y avait tout le temps entre Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma jami'an. Regardez, ceux qui lisent beaucoup les biographies, qu'est-ce qu'on trouve? Chaque fois des petites disputes, dans le domaine de la religion. À chaque fois qu'il dit quelque chose, l'autre il veut le conseiller, l'autre, jusqu'à un jour où même Omar, radiallahu anhu, il s'est même un peu fâché sur Abu Bakr d'un coup pour lui dire, à chaque fois que je dis quelque chose, tu dis le contraire. Et puis ils vont chez le professeur, ils discutent, et après, qu'est-ce qu'on entend dans les autres traditions? J'étais moi, Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est Abu Bakr qui rapporte le hadith, il dit j'étais moi et Omar et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis qu'il est rentré Omar radiallahu anhu dans l'islam, et Omar, ils sont inséparables, les trois. Inséparables. Jusqu'à un jour où ils arrivent, vous vous rappelez l'histoire où il fallait donner de ses avoirs. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il vient, il donne. Et Omar radiallahu anhu, il a fait un calcul, il s'est dit moi je vais donner la moitié. Tabarakallah, la moitié de mes avoirs. Ça veut dire que j'ai donné le Mashallah. Et il vient. Qu'est-ce qu'il, tout content. Qu'est-ce qu'il apprend? Qu'Abu Bakr a tout donné. Et il sourit. Jusqu'à un jour où il va même dire à Abu Bakr, il va lui dire, et même quand il va être mort après, quand il va mourir, Abu Bakr, même Omar, il dira très souvent, Ata'abta, ça veut dire, Ya Omar, Ya Abu Bakr, Wallah, t'as rendu les choses difficiles à celui qui prend ta place. Tellement le niveau était élevé. Donc regardez ces bases. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit alors à ses compagnons, vous vous rappelez quand je parlais de la vague, il leur a dit « Hubb al-dunya ». C'est vrai qu'aujourd'hui, prendre du temps, s'asseoir, lire, écouter, décortiquer un peu ce qu'on entend et le faire avec plaisir et se dire « Tiens, s'il y a une petite faute, wallah, je t'aime en Allah, je viens, je t'embrasse la tête et je te dis voilà, j'ai lu dans un hadith, qu'est-ce que tu penses que ?» Encore hier, wallah, hier, le jalsa qu'on avait hier, tabarakallah, avec les imams, et des huffades. Mais ça reste un être humain. Un des imams qui avait une kalima, il s'est levé, il a fait une kalima, et puis il a parlé du hadith qui est très connu, « Bala arabiun fil masjid ». Vous connaissez ce hadith en jurisprudence, on le ramène très souvent, l'arabe, le bédouin, qui a uriné dans la mosquée. Et les compagnons se sont levés, et ils l'ont attrapé. « Da'ou », le prophète Asma a dit, « Laissez-le !» Tu vois quel cours. Laissez-le. Parce qu'on dit même, wallah, certains shurrah, ils nous disent que le prophète Asim, il voyait pour le futur, pour après. On l'a besoin. On l'a besoin. Le comportement qu'il va voir chez toi, Yahwan, wallah, il va faire en sorte qu'il va attirer les autres. Et cette union qu'on voit entre les musulmans, c'est cette première union qu'il y avait dans le temps qui a fait que les autres sont entrés dans l'islam aussi. Il dit, da'ou, laissez-le. Et harir, pour ça dire, prenez.